retirer le dossard de Sandra? Sandra, voilà. Sandra Martin? C'est bon? C'est le dossard numéro 1. L'équipe au choc. Ouais, parfait. C'est l'équipe de Sandra. Non, je propose à Aline que Lolo la ravitaille. Oui. Mais Aline vient de me répondre. Qu'est-ce que tu m'as répondu? De la rando, il n'y a pas besoin de ravito. Voilà, donc Lolo, c'est bon. Aline, oui, oui. Bah, j'ai dit qu'elle dormait, elle croit qu'elle dort chez moi. Mais bon, j'ai réservé une petite place dans la voiture. Dans le garage. Oh, bah, il faut bien qu'on l'handicape un peu, Aline. Attends, si elle fait une nuit complète, on est morte demain. Donc au moins avec une semi-nuit. Et Sandra, on a dit qu'elle dormait au campanile. Donc ce soir, à quelle heure on envoie nos mecs faire la fiesta? Ah, c'est vrai. Eh oui. Si, déjà. Ah, tu as été inspirée, alors. T'as été inspirée. Il y a qui de poster demain? Sur le parcours. Un signaleur. Un signaleur. Enfin, qui pourrait nous aider, tu vois. Bah, il y a Georges. Georges, c'est un plan foireux, Georges. Il n'est pas fiable. Non, il n'est pas fiable. Pas fiable. Georges Roux. Il n'est pas fiable, Georges. Non. Vous êtes signaleur, non, vous, monsieur? Oui, je suis quoi? Moi, je vous conseille. Signaleur sur le parcours. Non, non, si vous avez affaire à lui, c'est que c'est mal pour vous. C'est pas bien. Vous êtes le séraphine. On vous présente Aline. Ah, Aline, voilà. C'est le conducteur. Voilà. C'est quoi votre petit prénom? Votre petit prénom? Oui. Al. Al. Ah, ben Aline. Voilà. Voilà. Aline et Al. Aline. Voilà. Directement au départ, on part ensemble. Oui, oui, j'ai un peu d'argent. Un ticket pour réserver? Combien ça coûte? Moi, je lui paye, le ticket. Ouais, ouais. Ça va, Cyril? Parfait. Ouais. Avec vous. Ah, ben oui. Alors, tu nous prends en photo à quel endroit? Quand on s'arrête pour faire une pause? Il a dit quand je prends plutôt comme ça les photos. Moi. Non, quand on attache Aline dans le lit pour pas qu'elle puisse. Pardon? Et non, toi, par rapport au départ, départ rapide? Départ rapide, comme d'habitude. Comme d'habitude, comme à cœur. Comme à cœur, c'est pareil. Et Aline, alors, tu pars où? Avec les serfils, Aline, non? Non, avec les serfils, Aline? On t'a imprimé les barrières horaires et tout. J'ai noté. Ouais. On est vraiment généreux, c'est quand même. Franchement, ouais. On prend soin de nos copines et on tout. On partage. Ouais. Donc, mode course de Aline? En mode rando. Ah, voilà. Rando, normal. Ah oui. Quelle idée, Serge, on va écrire nos prénoms sur les sacs? Eh ben oui. Au lieu d'écrire première scratch, on met Périne. Bien évidemment. Bah oui, sinon ils vont s'embrouiller demain. Ah oui. Bah, ça correspondra forcément. Bah, nous, on a prévu 6h20 pour boucler le parcours. Oui, c'est ça. 6h20, normalement on gagne. Le premier met 6h, donc on gagne. En 6h20, on gagne. Évidemment. C'est évident. Et coucou l'équipe! Bonjour! Vous dormez debout là, allez! Je voulais qu'on fasse une dédicace à notre petite Amandine. Ah oui! Parce que notre petite Amandine, elle n'est pas là aujourd'hui. Et on pense fort à elle. On pense fort, fort à toi, Amandine. Tellement fort à toi que ce matin à 6h20, tout à l'heure, mon téléphone, sans faire exprès, ça l'a appelé. C'est vrai? Je t'assure, on était aux toilettes, du coup je regarde Amandine. Oh, la pauvre, elle qui dort le matin. Alors j'espère ne pas t'avoir réveillée. Désolée. Et puis une grosse pensée à notre chonchon. Et une grosse pensée à Maxime aussi. Ouais. Hein? On pensera à vous dans les moments difficiles. Vous allez arrêter là maintenant de faire les losers sans déconner. Alors sur la ligne de départ, TSV, Line, au taquet, Mathieu, Jus. Galinette! Bah oui! Stéphane! Tu veux pas parler un peu plus fort que le micro, non? Hein? Ah non, bah on oui. Est là quoi! On s'entend pas parler là! Bon! Non, je la mets à plus l'oublier! Ah, j'ai fait une méchante là! Sandra, tu as pris les horaires des barrières horaires? J'ai pas envie! Karen, les barrières horaires, t'as pas pris toi? T'as pris les barrières horaires? Non, j'ai pas regardé! T'as pas regardé? Photo avec moi, vous en faites jamais! Eh ben oui, on va faire! Mais c'est parce que tu t'échauffes en cachette! Forcément! T'as pas pris les bâtons, Aline, pour randonner? Ouais, mais... Quand même, Perrine, depuis que tu te dopes, je trouve que dans les montées, t'avances plus vite. Ouais. C'est clair. Moi, je m'y suis pas encore mise. Du coup, je l'ambine un peu. Bonjour.
Ils ont mis la corde. Ouais, heureusement. Ah oui. Bah là déjà tu bouges, hein. Ah ben complet. Allez. En plus t'as le short qui remonte. Ben heureusement. Ah ben c'est une bonne idée la corde. Bah oui. En retour surtout, parce que bon là. Vous pouvez la pousser, hein. Allez, TSV avec Alinette. On n'est pas en super forme. On a connu un milliard de fois mieux. Mais on est là. Alors on va aller au bout. Hé Aline, allez, si on y va. Go, go, go. T'aurais pas dû picoler hier soir aussi. Allez. Aline, bientôt le col de Vavenargues. On a dit qu'on le faisait en foulée bondissante. Donc il faut garder l'énergie, économise-toi. Allez, foulée bondissante. Bientôt. Après avoir tout essayé avec Aline, on a dit qu'on allait s'arrêter à la chapelle Saint-Serge, juste à côté, faire une petite prière pour gagner la course. Hein. Hein, sait-on jamais. Donc voilà, croisez les doigts pour nous. Go Alinette, go, go, go. Youhou. Alors regarde Rachel, c'est la fameuse côte qu'on devait faire en foulée bondissante. J'attendrai un peu avant de caler les foulées quoi. Là je récupère un peu et puis après je vais m'en faire une petite dizaine d'affilée. La peau. Bon, avec la gagnante du jour, Sandra Martel. Au taquet. Combien de temps Sandra? Un peu moins de 7 heures. Mais ça, Galinette, c'est ce qu'on appelle le talent. Le talent. On n'y arrivera jamais. L'alimentation, c'est les conseils de Samuel Bonodo, ton manager. Et voilà, j'ai une tenue qui claque. Yes. C'est le talent, ça, Karen. C'est le talent, on peut rien y faire. Et Karen, est-ce que quand tu as fait dans le col de Vavenargues, dans les éboulis, la dernière montée, est-ce que tu as fait les foulées bondissantes? Ah, c'était ce qu'on s'était dit. J'ai pensé au conseil de Laurie et oui. Foulées bondissantes. T'as réussi. Voilà, moi je l'ai mis une petite dizaine. Après, ça faisait beaucoup quand même. C'est pas mal, hein. Moi j'en ai mis moins. C'est vrai? Oh merde. Combien t'en as fait, Aline? Et bien parce que je bondissais de caillou en caillou, hein, oui. Non, mais quand tu as le talent. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you
Sympa aussi. Ah ouais. Nous on est jaunes, on est des deux jaunes. Ma bouteille, regarde la couleur, la bouteille de rosé. C'est sympa l'orange aussi. Hein. Ouais, ouais. Ah ouais, ça va avec le rosé. C'est pas mal. Demain je cours comme ça. T'as la tenue toi, ça fait une semaine que t'as. Wouah, Karen, mais tu as une tenue, mais. Oh, oh là là. Non, mais. Oh. Est-ce que tu connais notre palmarès intégral quand même? Oui. Parce qu'on fait un peu comme scratch avec Laurie. 18 feuilles chacune. Ah oui. Mais... 18 feuilles, que les victoires. Que les victoires. Ah, voilà. Et les deuxièmes et les troisièmes. Bah, oui, ça, c'est annexe. J'ai un bloc en dessous. Une fois de plus, nous avons fait preuve d'une grande générosité en laissant gagner Sandra Martin. Ah ben elle avait besoin, Sandra. Elle avait besoin. Elle était pas bien. Les derniers temps, elle était pas bien. Hier, on l'a vu au retrait des Dossards. Elle était très stressée. Elle était vraiment... Non ? D'accord. Je suis à l'ouest. À l'ouest, d'accord. Bon, on a senti que tu avais besoin de gagner. Oui. Donc, voilà. Oui. Bah, on a bien évidemment laissé la place. Voilà. Ça me semble évident. Du coup, les barrières horaires, du coup, c'est bon ? Oui, c'est bon. C'est passé large ? Ça va ? J'ai toujours dit ça. Alors moi, Périne Scheller, non. Alors jamais je ferai plus de 25 km. Ah non. Mais moi je l'ai dit ça aussi. Complètement top. Mais vous êtes fou, je ne ferai jamais ça. C'est les gens qui ont des problèmes. Les gens qui font des ultras, c'est les gens qui ont des problèmes.